dans l'autre point qui gagne pratiquement dans l'actualité. Le docteur Reginald Boulos a prôné la troisième voie. Il faut qu'on dise nous que quand pile monde qui pose des questions, c'est quoi l'intention du docteur Reginald Boulos? Ce matin à l'émission Matin Débat, m'a confirmé nous que le docteur Reginald Boulos est candidat à la présidence. Et maintenant, tout clair sur ça. Dis-moi là. C'est ça. J'ai parlé au docteur Reginald Boulos. Monsieur clair sur ça. Je dis que le go désir. Et je ne vais pas avoir le pouvoir encore. Okay. Donc, elle est arrivée lui-même pour le prendre. Pour le prendre la RIA. Donc, le docteur Reginald Boulos, candidat à la présidence. Même ça qui t'est passé pour le sénateur. Et dans la phase liée qu'on y a là, c'est dans la phase côté que l'a cherché parti politique. Pour regarder qui parti politique qui est capable d'entrer. Pour le capable de candidat. Mais il est clair que, il faut nous clair sur ça, que Dr. Reginald Boulos, candidat à la présidence. Et il y a une équipe déjà sous terrain, cap travail. Mais pas jamais oublier tout que Dr. Reginald Boulos sont faiseurs de pouvoir. Quand il est député, quand il est sénateur, même Jean, on est avec Dimitri Vob, que il dit qu'il est candidat. Donc si Dimitri Vob t'a vu un candidat, donc pas oublier que à la présidence tout. Pas oublier que Dimitri également son faiseur de pouvoir. Là, il y a sorti derrière. On va jouer, que ce soit avec Reginald, des anciens parlementaires, des anciens sénateurs, et également avec Dimitri, si éventuellement Dimitri tape une candidat, des anciens sénateurs, également des anciens députés, qui parlent dans l'équipe Nexao. Maintenant, pas oublier, l'équipe de Reginald Boulos m'espérait que, en matière de communication, il commence à travailler sous communication de Dr. Reginald Boulos, parce que c'est pas n'importe qui monde. Et de même, si Dimitri t'a vu un candidat, il faut qu'il travaille justement sur la communication. Donc, campagne, monsieur Sayo. Pour qui ça? L'on a goûté ou t'es faiseur de pouvoir. Elle dit que ou non pouvoir, ou contre pouvoir, que les bagailles, y'a qu'à battre bravo pour vous, c'est même gentil. Quand pile bagaille, y'a qu'à battre pour chaud. Sous implication dans le monde côté bail pouvoir, dans implication dans gestion pouvoir, même pratiquement dans le pays. Et là, parce que l'équipe de communication, ça y est, il n'est pas obligé de commencer à travailler depuis qu'on y a. Parce qu'il y a des questions, pratiquement, qui vont le retenir. Une troisième voie, ce n'est pas, en fait, la première fois qu'on a entendu ça dans le pays. D'ailleurs, troisième voie, après matin, ce n'est pas dans la bouche, président Boulos, que le vini en premier. Le vini avec ça. Sous table matin débat. Nous vini avec ça, le bain était chaud. Oui, nous sommes le coup de vini, désir de vini avec question. Il faut que troisième voie, il réveille. Et il prononce sur ce qui a passé dans le pays. Et Emmanuel Ménard qui vient. Ménard, qui vini, au contraire, lui-même vini en parti politique. Correct. À partir de bain, qui est troisième voie, ça. Ok. Donc, pour la première fois. Maintenant, qui est troisième voie, ça, moi-même, bon. Et chaque monde comprend de façon. En tout cas, de toute façon, quels seront les mécanismes en fait de cette troisième voie, madame, monsieur, c'est ça le débat de ce matin, donc à l'émission Matin Débat. Alors, pour mon capitaine de Matin Débat, qui pas dans politique, qui pas contre politique, qui pas contre politique à travers l'émission Matin Débat, m'a dit nous que troisième voie table dit ça. Troisième voie table dit que pour ta gagner de nouvelles têtes, de nouvelles émergences, des gens qui pas de content de la politique, qui vous venir là. Ok, qui d'avait député, qui d'avait sénateur, des mouns ou pas jamais tendé yo, ou du moins ce qui fait partie de la majorité silencieuse, et puis moun sa yo, c'est yo pour d'avin la konya. Ok, troisième voie vle dit, que c'est de nouveaux projets que nous allons faire promotion pour yo, de nouvelles idées que nous avons avec yo, ok, qui pral ba nous, en fait, une nouvelle vision, une vision commune qui pral déboucher sous yon nouveau pays. Est-ce que Jodia pays ça paraît pour une troisième voie? Matin à tout. Oui, je pense que les paraît pour ta une troisième voie, mais c'est qui est-ce qui paraît comme troisième voie? Correct. Je pas pense que c'est troisième voie qui a un problème, mais qui est-ce qui a ponel? Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Parce que moi le bagaille. Nous t'ai débattu déjà vendredi hein. Pour nous, moi c'est position claire, moi dit que Reginald Boulos pas qu'à dire troisième voie. Oui, parce que les capres, mais voilà, ils sont vraiment influents. Parce que ce dit là, ils sont très influents politiquement. Correct. Très politiquement, moi-même, j'ai une chance de faire connaissance, c'est dans le Parlement. Correct. C'est une grosse responsabilité politique. Maintenant, nous-mêmes, comme députés, nous avons rencontré l'équipe, président Matel, Reginald Boulos, Maïssa Okaïla, Caplume. Correct, Caplume. Écoutez. Fortuné. Mais.
nous gen moun ki te din, mwen gen moun particulièrement ki te din, mais qui côté, mais qui décision ka pran? Mais nous te gen tant qu'on a décision comité ça ta pran avec Reginald Boulos en face, c'est voué par le malais. Mais sagement nous te chite ensemble avec eux, nous te dit mais qui préoccupation non? Pour moi même c'est que Reginald Boulos pas qu'à porter troisième voie. Troisième voie parce que lui étant déjà la politique, il gagne longtemps. Ok. Alors, il fait partie déjà de ni premier ni deuxième voie. Ah oui. Ça qu'a fait le pays, il y a déjà le participé là-dedans. Par exemple, il est clair que l'original Boulos, c'est peut-être le premier nom qui est allé avec Jude Célestin. C'est peut-être ce nom, ça a tout calé avec Vérité là, avec Jacques Lumac. Il dit que son gros homme politique. Maintenant, vin nan politique, m'de kap do, de façon m'de kap do, active, pas vle di ko pat nan politique. Correct. M'bal pon exemple ko. Ou te candidat à la présidence, on est ki bon koto kap mobilise moun, li pa ka di pa nan politique. Oui, li active. Li gon responsabilité politique, la fè mobilisation, la pren kontrak moun, y met se nan section communale, on li de, chaque élection. Qu'a fait moun voter moun sa nan politique red parce que décision localité a décision section communale là il participe là-dedans pour faire choix donc gros paquet moun c'est lui même qui dit peut-être 100 ou 200 c'est lui même qui a dit mais qui moun pour nous voter correct moun sa pas nan politique correct moun sa nan politique red puisque li gen redevance envers tout moun li fait voter le désir li gen redevance envers tout moun maintenant moi me penser gon l'autre bagaille. Maintenant, Gétan sorti avec un parti politique, lui dit parti politique à troisième voie. Troisième voie. Est-ce que après le bon alliance entre Ménard et Général Boulos? Ou pas, ça va de la rue. Elle dit que, en dans troisième voie, même Gétan go paquet qui a fait politique, qui a identifié la troisième voie. Déjà, en dans troisième voie, sans le poco, sans pays à poco absorber le poco, mais déjà, bon problème. Correct. Donc, de paternité. Ah oui, déjà. L'éclair. Il dit que qui se met troisième voie, qui capote troisième voie, qui l'intelligence même beaucoup de Ménard. Pour qu'il ait sorti parti politique la troisième voie, c'est pour qu'il a questionné. Pour qui ça? C'est l'éclair qui est devant. Correct. Ok. Mais ça, maintenant nous clair là, Alors même t'as pas juste ton bail par rapport avec troisième voie, bien que bon, on n'a pas de paternité et c'est là le sorti. Nous clair sur ça, c'est là le sorti. Mais et moi-même pense troisième voie, moi-même qu'on l'autre compréhension de lui. Troisième voie, parce que c'est des monde qui étaient toujours silencieux, c'est des monde qui pas toujours prononcé yo non et affaires politiques non Jean Citéen lui-même l'a gouverné l'a marché. Maintenant, m'pense que troisième voie c'est peu importe problème qui doit gagner avec mouvement. M'pense que problème troisième voie c'est monde c'est jeunes yo. Ces jeunes n'ont pas de gens qu'on implique dans affaires politiques qu'on y a qui commence à impliquer yo dans mandé par exemple et mandé et m'a dit bonjour justice sur question Petro Caribbean capable prendre Petro Challenger yo. C'est une partie dans troisième voie nous capable prendre monde Haïti urgence yo qu'on y a un groupe jeune par exemple qui a parlé là de question enveloppe jaune moun sa yo pas parlé de aba intel aba vive ici. Il a revendiqué des bagailles qui juste, des bagailles qui m'était dit légitime. À savoir, il a demandé travail parce que l'État qui ça demandé, il dit à l'école, il y a l'école. Il dit apprendre métier, il apprendre métier. Maintenant, là au fin apprendre métier, a diplôme non mais yo chita sous bout million. Donc, yo décide de prendre la rue pour demander travail, pour demander l'État prend responsabilité. Moi c'est troisième voie, c'est jeunesse là qui a dénoncé et m'était dit corruption qui gagne dans l'État qui fait que eh ben yo même yo pas prend yo en charge payant li en état de délabrement côté lié aujourd'hui hein. Troisième voie c'est ça, troisième voie c'est jeunesse là qui a dénoncé corruption, c'est qu'a demandé travail, qu'a demandé à ce que payant li dirige yon l'autre gens. Troisième voie moi même pense c'est l'allié parce que moun sa yo il y a longtemps de cela, il était fait silence. Il t'a quitté politique là, mais n'est pas Kounia, il a décidé et mais poser des questions à l'État, poser des questions à dirigeants. Troisième voie, c'est l'allié pour moi. Ok, troisième voie, en fait, il peut pas supposer seulement de nouveaux mondes. Ok, donc l'État également, donc de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ouais, bah, c'est idée. Ok, de nouvelles idées, de nouveaux projets, également un autre discours. Ok, maintenant, basé sur ça, madame, monsieur, que nous-mêmes nous considérons que c'est troisième voie. Je ne sais pas si l'autre monde a qui a un avis contraire, probablement qu'on est capable de nous chance pour nous intervenir. Ok, mais basé sur ça. Parce que si on a parlé de troisième voie, c'est ça le cahier. C'est ça le tas de voyer. Nouveau monde, que nous ne sommes pas dans la politique.
je dis, qui fait partie de la majorité silencieuse qui décide, je dis, rentrer dans la politique, qui dit que ça qui a passé dans le pays là, il n'est pas d'accord et que il est engagé désormais. Voilà. Nouveau monde qui vient avec justement de nouvelles idées, de nouveaux projets, des bagages où pas j'aime dans le pays là du tout, ouais. Des projets où pas j'aime dans le sous-table là du tout, ouais. Ok? Et qui vient justement avec une nouvelle vision. Des bagages que moun vraiment pas espéré. Attendre de l'IDPIA, ouais, ouais, ouais. Et puis qui parle font waouh. Et c'est des moun ça, des groupes ça, des troisième fois ça, que pratiquement pays a pas le marché. L'autre émergence. Madame, monsieur, là, c'est là le problème. Et c'est là la question de ce matin. Quels seront donc, en fait, les mécanismes de cette troisième voie? Parce que, pas oublier que je veux dire. Qui ça qui pays d'Haïti, je veux dire? Je veux dire, pays d'Haïti, c'est un pays qui pris en otage par un establishment. Donc, en fait, par le statu quo. Et c'est ça le danger dans cette question de troisième voie, madame, monsieur. Et tout en tant que establishment, ça, en fait, système n'a pas changé. Tout en tant que bagoumé pour changer le statu quo, là, très difficile pour nous gagner, ça n'est pas la troisième voie pratiquement dans le pays. Parce que, pas oublié, je dis, force establishment, là, c'est dans la corruption. De faire gagner des mouns, justement, qui corrompus. Que le capable de mettre sur que le mettre dans le système non qui bon établir ça pour aller bail chance à un monde qui sorti de nulle part qui part dans la politique que le pas aucune garantie ensemble avec lui et puis pour le dire voilà c'est mon ça pour le camper d'elle négatif les papillons vivent je dis à force statu quo c'est Jean Payaye là même c'est Jean système Payaye là même qui a intérêt la donne ok et qui a intérêt la donne ouais. C'est Jean lié là c'est façon ça qui bon pour yo et je dis à pas oublier que c'est c'était la politique sur l'économique. Maintenant, c'est l'économique et la politique qui n'en met yo. Qui j'ai en troisième voie ça, l'hypal possible, pratiquement dans le pays ça. Et là, je pense que l'hypal, c'est important, faut nous faire débat sur lui. Parce que si on a parlé de, faut que nous gagnions de nouveaux mondes sur l'échiquier politique. Faut que nous gagnions de nouveaux leaders. Faut que nous gagnions leadership et collectif et éclairé. Ouais. Faut que nous gagnions de nouveaux projets. Faut que nous gagnions de nouvelles idées qui sont capables d'embarquer tout pour nous une vision commune. Pour nous changer le pays ça. Pour aller vers la modernité. Eh bien, est-ce que je dis à statu quo qu'il a, establishment qu'il a, les élites économiques qu'il a, je dis à, est-ce que vous avez une troisième voie ça? Est-ce que dans la dynamique que pour gagner de nouveaux monde qui viennent là, avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, pour dégager une nouvelle vision, est-ce que vous avez une dynamique ça? Eh bien, c'est là pour nous réfléchir matin, madame, monsieur, et c'est la raison pour laquelle que, à l'émission de matin débat, nous assurons de nous mettre ça sur table là. Maintenant, Reginald Boulos, comme citoyen de ce pays, il a ton droit, en fait, de porter, de proposer une troisième voie. Oui, ouais. Il a ton oui, droit. Oui, c'est son droit. Il a ton droit de proposer, ouais. En fait, une troisième voie. Mais cependant, il y a des messages pour porter qui passent en bleu. Ouais. Et ça fait que je dis, on est qui candidat à la présidence, communication, il faut qu'on gère. Est-ce que Reginald Boulos, c'est donc la personne la mieux placée, pour faire la promotion d'une troisième voie dans ce pays? Merci. En tout cas, là, nous avons fait débat. Alors, tout le gouvernement passé, non, Reginald Boulos, toujours cité là-dedans. Oui. Qui n'a choix ministre, n'a choix. Maintenant, et moun qui a président. Nous avons toujours fait le bénéfice du doute. Ouais. Si et seulement si, bien entendu, dans toute l'hypothèse de capacité. Pour le taquant en face, tout le monde sa yo qui se équipe li. Équipe li, voilà. Et que le taquant travaille avec yo et que fois ça le dit, non, jamais, plus jamais, li pas verser, non ça, li taquant verser avec équipe pal yo encore, et que maintenant li pon l'autre route qui c'est la voie du progrès. Bien que, li par déclaration que le taquant gagné déjà, li et m'te dit position, li te montré que li te en face, yon groupe là dedans yo. Oui, mais là, gros problème d'où, gros problème, et José Lexidon, pas oublié. Par exemple, m'a regardé, m'a entendu Reginald Boulos qui dénonçait des contrats de 120 millions de dollars donc sous Matéli. Écoutez. Oui, est-ce que c'est pas intérêt lié? Mais écoutez, les contrats ça n'était pas ça. Il était avec l'agence. Ouais. Donc l'eau coulait douce. Ouais. OK? C'est pas parce que bah il a changé. C'est pas parce que le café qu'on a vu à Koulama pour dénoncer. Pour dénoncer. Ah oui. Attention, ah oui. Madame, monsieur. Parce que dans le moment contrat ça était là. L'eau coulait douce. Ouais. Maintenant, café a vu la Koulama, et puis qu'on a vu de dénoncer, il a dit que, est-ce que Reginald Boulos est donc la personne mieux placée pour faire la promotion de la troisième voie, madame, monsieur, donc, dans le pays. Sauf que, nous dit que, donc, a toujours parlé de bénéfice du doute. Si je dis à le cas joué, elle dit bon, définitivement, lui. Couper fâché net. Ouais. Couper le pont avec. Couper le pont net. Ouais. Couper fâché net. Avec toute ancienne pratique qu'on a faite avec toute équipe palio, monde que soi-disant semblait avec lui, ok. Secteur par là, ok. Et puis il dit qu'on est à Jodian, donc que c'est la voix du peuple, ouais. C'est la voix de la raison,
c'est justement donc la troisième voie. Et pas oublier Louko avant on prend c'est dans Watson, Watson voilà voilà c'est Watson parce que pour électorat on va dire électorat c'est jeunesse là. Correct. C'est plus de 65% de ça veut dire et jeunesse là il y a pas position pour t'a proposer s'il t'a dit bon bon me voulait prendre destin mais qu'on y a m'a sorti m'a encouragé m'a voté moun qui semblait moun qui porte revendication là c'est à prendre Watson désir troisième voie. Bon, troisième voie, même pensée, c'est la voie de la conscience, la voie de la révolution, c'est la voie de la dignité humaine. Parce que tout nèg kap pale là, yo, à quelqu'un, à un niveau ou bien à un autre, yo impliqué dans instabilité politique, yo impliqué dans turbulence politique, yo impliqué dans politique tâtonnement que nous gagnons aujourd'hui. Et c'est résultat échec, monsieur Sayo, qui vient faire que y'a nécessité pour ta construire en troisième voie. C'est la voie de la raison, la voie du développement réel, la voie du changement, et on t'a dit radical. Pas oublier, pape François, saute dit là, il appelle la jeunesse à la révolution pour changer le monde. Ça veut dire que jeunesse, là, c'est lui-même qui ont certaines virginités politiques, on est capable de dire. Jeunesse qui l'a, je ne veux dire. Moun que nous besoin, je ne veux dire, nous besoin moun qui a virginité politique. Pas forcément comme si. N'a dit quoi de son désir qui vient 40 ans. Louko désir, si politiquement, il faut composer des actes qui mettent le pays dans une situation difficile, lui, c'est, lui fait partie de troisième voie. Watson désir, si politiquement, pas poser des bagailles qui pour contrarier et progrès, avancement économique, social, culturel, pays, lui constitue troisième voie. Bon, j'en bagaille. Ouais, ça va passer journée, jeudi, bras, j'en bagaille qui fort. Mais destin pays, il pas nommé ni bon Dieu. Destin pays al pa nanmen ni diable, destin pays al nanmen peuple haïtien. Parce que peuple haïtien c'est seul lui-même qui a dit que mes routes m'apprend pour me délivrer pays a et mes routes m'apprend pour m'effondrer pays a. Et gagné un gros voyant qui dit ça, leader nation c'est aux jeunes liés. Eh bien on tente pour loin qui ça va le passer parce que troisième voie c'est nous-mêmes, c'est moi, c'est José Lexidor, c'est vous-même Louko. On prend responsabilité. Très bien. Merci un peu, Watson Désir. Bon, le temps de la pause.